que tu sais, on a mis le thermomètre, parce que je commence à avoir mal à la tête, là. T'as regardé dans la boîte? Ouais, il est là. Comme d'habitude. C'est quoi? Hein? Ça va? Non, t'affole pas, c'est rien. J'ai mal partout. C'est-à-dire partout? Je sais pas, partout quoi. Rester assise toute la journée comme ça devant l'ordi. Putain, c'est crevant là. Ma femme a le coronavirus, faut que vous veniez la chercher d'urgence. Parlez plus fort, monsieur. Putain, je peux pas. Ma femme a le coronavirus, il faut que vous veniez la chercher d'urgence. Bon, déjà bonjour, commencez par ça. Ensuite, ça marche pas comme ça, monsieur. Je suis atteint des symptômes. Oui, elle a des symptômes, elle a que ça, des symptômes, j'ai noté. Alors, maux de tête, courbature, tout, fatigue. Je sais pas, mais... Enfin, oui, non, mais clairement, je connais, je suis sûr, elle a de la fièvre. Monsieur, vous prenez sa température et vous nous rappelez si la situation est alarmante, d'accord? Non, mais parce que là, c'est une situation qui est alarmante, monsieur, c'est... Journée, monsieur. Non, attendez, là, c'est... Monsieur? Nicotine protège du virus. Oh, ça marche vraiment? C'est dégueulasse. J'ai vu tout à l'heure le nombre d'animaux de compagnie euthanasiés depuis le début du confinement. Ça a vachement augmenté. Stop, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, on pouvait pas la garder. Elle nous aurait contaminé à un moment ou à un autre, c'était beaucoup trop risqué. On pouvait pas. Et comment est-ce qu'elle aurait pu? On était les seuls à la voir. Un chat, ça contracte pas le virus tout seul comme ça, non? Mais qu'est-ce que t'en sais? Je veux dire, aujourd'hui, on sait même pas si c'est les humains, les américains, les chinois, le pangolin, la chauve-souris, ta mère, enfin... On a sauvé le monde en tuant ma chatte. C'est les gens qui refilent le virus au chat et pas l'inverse, abruti. Si tu regardais bien les informations que tu lis tout le temps, tu le saurais. Bah, excuse-moi d'essayer de combattre le virus. Pardon? Tu combats rien du tout? T'as la trouille de tout, là! Tu me fais de la peine, mon pauvre! Ça fait 3 semaines que tu passes plus de temps avec ton thermomètre qu'avec moi. Franchement, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes d'avoir peur de la mort. Ah oui, évidemment, on va tous mourir un jour, mais... On est pas tous à la même vitesse, hein, c'est tout. Arrête, mais arrête, parce que t'as les mains... Mais non, mais... Attends, t'es sérieuse ou quoi? Putain, Mathilde, mets la main devant la bouche Non mais, tu fais ça pour me faire peur ou... Merde, c'est chiant, hein, je sais jamais avec toi. Non mais je crois que j'ai un chat dans la gorge, là. Non mais c'est vrai, hey, c'est lourd, hein, franchement. C'est pas sympa, hein, tu sais que ça me fait peur, ça. Hé. Hey. J'ai une idée. Ça fait longtemps qu'on a... quand même pas fait un... je sais pas, un petit jeu de rôle. Tu bouges pas? Cherchez mon déguisement.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Je crois que j'ai de la fièvre. Ah oui? Oh, je suis très, très, très chaude. Oh, d'accord. Pas pour ça. Non, touchez-moi. Vous verrez par vous-même. Je vais sortir. Moi, une grosse. Thermomètre. Mais t'es complètement con. Quoi? Attends, t'as fait tout ça vraiment pour me prendre la température là? Non, t'as un vrai problème là. Non. Faudrait que tu te fasses soigner, c'est toi. J'ai pas fait ça pour. Moi, putain. Putain, chien. J'ai pas besoin de faire ça pour prendre la température. Ta gueule! Tu veux jouer, puis après... N'importe quoi, j'ai pas... Benjamin. Ta gueule.